superb herds of camels. They gather here for watering. And this is the parturition season. So the females here come fairly often, 2-3 times a week, because they need more water than usual. We are in the far south of Tunisia, and where camel production is an essential component of dry land production systems. And in the districts of the south of Tunisia for the last 4 years, ICARDA and its national partners, the National Vet School and the Regional Animal Health Services, have been working on an important animal health challenge for dromedaries, for camels, essentially ticks and tick-borne diseases. الإبل من عناصر التراث في المناطق العربية ومن جملتها شمال أفريقيا. والإبل يرجعنا دائما للذاكرة، ذاكرة التاريخ، ولكن كذلك الإبل من الحيوانات اللي ممكن تلعب دور كبير في المستقبل، لأن الحيوان هذا من الأنواع النادرة المتأقلمة مع قسوة المناخ الجاف والصحراوي، وهذا يرجعنا إلى تحديات ظاهرة الانحباس الحراري التي ستكون من المشاكل الهامة بالمنطقة، خاصة خلال 30 سنة القادمة حسب السيناريوهات التي تم الوصول إليها في أفضل باستعمال أفضل الآليات والمقاربات إلى حد الآن. علاوة على ذلك، الإبل من الحيوانات التي معناها فيها نقص هام جدا في مجال المعرفة العلمية فيما يخص بالأمراض اللي تتعرض لها، وهذا من الجوانب اللي تجعلنا نهتم أكثر بها كحيوان ممكن يلعب دور في الاقتصاديات الزراعية في المنطقة إذا تم استعماله على واستغلاله على أحسن الوجوه باستعمال المقاربات العلمية والفنية المتقدمة، وكذلك لدراسة أعمق وأشمل للأمراض التي تحيط به والتي تحد من انتشاره ومن تطور تربيته في مناطقنا. Au sein du programme CRP Health développé par l'ICARDA, nous avons développé une activité de collaboration entre l'école vétérinaire de Sidi Thiebet et notamment le service de parasitologie et l'ICARDA qui concerne la santé du dromadaire. Nous avons abordé depuis maintenant presque 3 ans plusieurs aspects relatifs aux maladies du dromadaire. Nous avons commencé par tout d'abord étudier les tiques qui infestent cette espèce-là et sa biologie. Ensuite, nous avons abordé les maladies transmises par les tiques et qui sont nombreuses. Nous avons abordé des outils de biologie moléculaire, des outils sérologiques qui nous ont permis d'obtenir des résultats qui sont très intéressants. Ces résultats ont fait l'objet de soutenances de thèses et d'articles scientifiques qui ont été publiés dans des revues internationales. Chez le dromadaire, les tiques vont se fixer dans les parties postérieures de l'animal. Elles vont par la suite s'accoupler sur l'animal et la femelle va se détacher, elle va se laisser tomber sur le sol, notamment au niveau des points d'eau. Comme vous le voyez ici, c'est une région qui est à risque parce qu'il y a plein d'animaux qui arrivent de partout, comme vous le voyez ici, de là, des troupeaux qui vont se mélanger. Et les femelles de tiques vont se laisser tomber dans des zones qui sont
un peu humide pour se cacher par la suite sous les pierres. Vous les voyez ici. Là, vous avez une tique qui est en train de pondre, qui va pondre des œufs. Et les œufs vont éclore par la suite. Et les larves vont se libérer et aller se fixer sur des micro-mammifères pour continuer par la suite le cycle. Parmi les prélèvements qu'on effectue sur les dromadaires dans le cadre de la recherche des pathogènes transmis par les tiques, c'est les prélèvements de sang. Une fois au laboratoire, on va procéder aux analyses afin de pouvoir détecter les pathogènes transmis par les tiques. On procède également à l'identification des tiques. Les techniques qu'on utilise couramment au laboratoire de parasitologie de l'École nationale de médecine vétérinaire, c'est les techniques sérologiques sur le sérum qui vont nous permettre de détecter les anticorps anti-virus ou antibactéries ou parasites transmis par les tiques et les techniques moléculaires sur le sang qui nous permettent de détecter une portion de l'ADN des pathogènes transmis par les tiques. Par la suite, bien évidemment, il y a d'autres analyses qui peuvent être associées comme les analyses de sang, les analyses des matières fécales et d'autres analyses de laboratoire. Les tiques ont un double rôle qu'elles provoquent sur le dromadaire. D'abord un rôle direct par la nuisance, l'anémie, et un rôle indirect par la transmission d'agents pathogènes, des parasites, des bactéries et des virus au dromadaire, qui peuvent provoquer des maladies entraînant la diminution des productions. L'importance de ces maladies est variable. Certaines sont peu importantes et d'autres ont un rôle zoonotique, c'est-à-dire transmissible à l'homme. في الختام يجب الاهتمام أكثر والتركيز أكثر على البحث والبحوث بصفة أشمل في مجال تربية الإبل ومعرفة أمراضه لمقاومتها بصفة أنجع ولحمايته وحماية البشر من الأمراض ذات الأصل الحيواني، خاصة في ضوء ما هو موجود عالميا اليوم بظاهرة الكوفيد-19 التي هي من أصل حيواني.